Les amis, est-ce que vous êtes prêts à mourir de nouveau avec moi? Mais cette fois-ci avec carrément des morts inédites. Vous l'avez compris ou peut-être pas, on va retourner sur Suicide Guys parce qu'il y a eu 3 nouveaux niveaux qui sont arrivés ce mois-ci, il me semble. C'est Suicide Guys Lost Dreams, donc les rêves perdus. Donc c'est des niveaux complètement inédits qu'on va pouvoir découvrir ensemble. Bon, je pense pas qu'on va pouvoir les faire tous en une vidéo, mais si jamais vous voulez qu'il y ait un deuxième épisode pour terminer ce petit DLC, on va dire, bah n'hésitez pas à me le dire, mais ça va être trop cool de découvrir des niveaux complètement inédits. Donc on y va, ghostué pour la pouf, je sais, 3e fois, hein. Là je ne compte même plus tellement je suis mort un nombre incalculable de fois. Allez, on y va, let's go se tuer. Oh là 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 là, c'est quoi cette ambiance de fou? Attends, je suis tout petit et on est dans une grotte géant. Alors on a deux mois qui sont là sur son canapé, enfin sur leur canapé en mode tranquille. On est de retour à l'âge de pierre là, il me semble. Regardez, on a même des petites peintures murales. C'est pour nous apprendre à sauter. Bon, les refs, ceux qui jouent bien évidemment ce DLC, la plupart ont déjà joué à Suicide Guys. Donc ça va, vous inquiétez pas, je connais encore un petit peu les mécaniques du jeu. Mais du coup, de quelle manière je vais devoir me tuer dans ce niveau? C'est ça que je kiffe dans ce jeu, c'est qu'à chaque fois tu vas découvrir en fait comment plus ou moins tu vas pouvoir te tuer. Et ensuite tu dois trouver bah comment réussir à te tuer tout simplement, parce que vous savez que c'est une série de casse-tête et tout. Déjà on va récupérer ça. Ah, c'est pas une statue à récupérer. Par contre, ça ouvrait une porte. Ok, donc il y a tout un bail de statuettes qui permettent d'ouvrir et peut-être de fermer des portes. Il y en a d'ailleurs une autre ici. Et si je fais ça, bam! Attention mesdames, messieurs, est-ce que ça marche? Non. Si je teste un autre sens comme ça, non plus. Alors, je pense qu'il manque une statue. Je pense que allez, il y a une main, une statue. Là, on a ici un support. Sauf qu'on n'a pas de main dessus. Du coup, ça ne fonctionnera pas. Donc ce que je vais devoir faire, c'est que je vais devoir trouver une petite statuette quelque part. Bah, il y en a une là-bas. Vas-y mon ref, va chercher ça. Hop, voilà, je récupère ça et on va pouvoir mettre ça. Alors si c'est ça le premier niveau, franchement c'est limite un petit entraînement, c'est pas très compliqué. Je vais faire un truc, c'est que je vais lancer ça, je vais pouvoir comme ça m'accrocher et remonter. Pas besoin de se prendre la tête mon pote. Alors voilà, là c'est bon. Est-ce que si je fais ça, je vais les mettre dans le même sens? Voilà, alors hop, c'est bon. Ok, j'ai réussi, parfait, trop bien, trop bien. Pour l'instant on avance tranquillou, pas de problème pour le joueur belge. Alors ensuite nous avons encore 3 statuettes. On a une là, une là, une là. Je pense que là ça va être compliqué. C'est que celle-ci, tu vois, je peux déjà les diriger vers la porte. Le problème, c'est comment est-ce que je suis censé faire pour rejoindre cette statuette-là? Il va me falloir un objet volant ou un truc pour m'aider les refs. Ah ah! Est-ce que ce serait pas une catapulte, ça? Attends, il y a un lance-pierre aussi. Hop! Ok, ouais, tu vois, si je reste trop longtemps dans le liquide, je meurs. Ou alors ça va me faire revenir au-dessus, parce qu'au final, mourir, c'est ce qu'on veut. Mais c'est pas comme ça qu'on va se tuer. Ce serait un petit peu trop simple, hein, de juste sauter dans le liquide et de mourir. Mais je pense qu'il y a un bail à faire avec le lance-pierre. Et peut-être ça, là aussi. Alors, le lance-pierre. Bam. Sauf si, avec le lance-pierre, je touche la statuette et j'arrive à tourner la statuette en lui lançant des trucs. On va d'abord essayer un autre truc. Attends, on va faire ça. On va essayer de voir, voilà, je pète ça, on libère les rochers et ça fait un chemin. Ce sera plus facile pour traverser. Hop. Voilà, je viens ici. T'as vu ça? Pas possible. J'aurais pu... Ah mais non, j'aurais pas pu revenir sinon. Mais ouais. Et là, 100% avec notre petit lance-pierre, on va pouvoir peut-être actionner la statuette. Attention, mesdames, messieurs. J'active la supervision. Boum! Oh, ça marche! C'est bon, let's go! Problème réglé. J'aime bien ce niveau, au moins ça commence tranquillement, pas trop de difficultés. Mon cerveau a l'air d'être plutôt froid pour l'instant, ça veut dire que je ne galère pas trop. Il était en train de s'enflammer, c'est que je galérerais comme un porc, mais pour l'instant ça va. Alors ensuite, bon, il y a toujours les grosses statues géantes. On a de nouveau ça, donc pam! Je pète ça pour me faire un petit chemin. C'est bien, il y a des nouvelles mécaniques. C'est bien pensé, je trouve. C'est assez créatif. J'aime bien, c'est validé pour l'instant. Alors là, pareil, bam, on enchaîne sur celui-là. Si j'arrive à viser, ce serait cool. Vas-y, casse-toi, mon gars. Voilà, le petit chemin. On va sauter par là et on va sauter. Oh, ouf, 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 reste pas trop longtemps. Voilà, voilà, j'ai eu peur. Alors, qu'est-ce qu'il y a au bout? Mais je reviens au début, là, non? J'ai l'impression que je reviens au début. Attends. Ah, mais non, j'avais pas le lance-pierre. Donc ça, c'est le début. Hop. Ce qui fait que maintenant, je peux casser ce truc-là. Ça n'a pas fonctionné, mais évidemment, on va se rapprocher un petit peu. Ce sera quand même plus facile, je pense. Non, là, ouais, c'est le début, mais là, on est en hauteur. C'est ça qui change. Mais je vois toujours pas comment est-ce que je vais pouvoir mourir. Hein. Peut-être que je devrais aller dans la savane après, avant, dans le doute. Je vais quand même casser ça pour voir si ça libère un chemin. Ouais, ça libère un chemin. Et ça me fait revenir au début. Très bien, très bien, très bien. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais tenter d'aller dans la jungle qui se trouve là-bas. Et on va voir si on trouve pas peut-être un dinosaure ou une créature qui pourrait me tuer. Ou alors, je vais juste me suicider comme ça. Attention, est-ce que c'est ça ou pas? Boum! Dis-moi que c'est ça. Je meurs ou pas? Bonne question, bonne question. Est-ce que je meurs? Oh, j'ai réussi. Pas encore. Je crois que j'ai réussi. Ce que là, ça s'enchaîne direct. Je dois trouver un moyen de sortir d'ici. En plus, en français, c'est une dinguerie. Mais je suis où là? Je comprends pas. Je viens d'apparaître dans un vaisseau spatial. Très bien. Ok. Bon bah écoutez, on va essayer de trouver comment est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir ici. On a un truc de commande là, mais je peux pas interagir avec. C'est important. Il y avait un niveau un peu comme ça. Là, il y a une radio. Ça met juste de la musique. Je préfère mettre des musiques au montage. C'est un peu plus sympa parce que généralement, elles sont un peu trop calmes. Musique de Suicide Guys. On a un big truc qui va certainement tirer un rayon laser.
désert. Et c'est certainement comme ça qu'on va se tuer. On a ça aussi. Attends, qu'est-ce qui se passe? Ouais, une transition là. What? Oh, c'est comme dans Mario. Je viens de rentrer dans un tuyau, dinguerie. Je suis rentré dans les égouts. Oh, c'est Mario, mais pas trop non plus quoi. On va essayer de trouver. Hop là. Quoi faire? On a ça. Ouais, alors c'est vert ici. Donc j'ose imaginer que c'est bon ce que je viens de faire. On va essayer de faire ça à tous les trucs. On va remettre en marche tous les tuyaux. L'appareil c'est en vert. Regardez, regardez. Ça a un impact sur l'eau. Il y a plus de courant. Donc, je pense que je vais me faire emporter à un moment donné tellement violemment que je vais peut-être pouvoir en mourir carrément. Là, hop, le tuyau. Pareil. Je vais couler de l'eau. Ou alors je vais noyer la pièce. C'est peut-être ça en fait. Il y aura tellement d'eau que ça va monter et je vais me noyer. Même si on a déjà eu une mort comme ça par le passé dans le jeu. Là, il y a un levier. Ouais, ça a remis en place ce tuyau. Ouais. Mais vous voulez en venir où là, les petits refs là? Parce que moi j'ai l'impression que je fais des trucs, mais. Est-ce que ça a vraiment une utilité? En vrai, on va dire que oui, on va dire que oui. On va essayer d'emprunter cette échelle-là. Je vois qu'il y a un accès derrière où on peut, hop, actionner également une valve. Ouais, mais encore. Là-bas, il y en a un que j'ai pas encore activé, donc on y va, mon pote. Zéro, on est mort. Pas le temps de ralentir. Hop, on active ça. On active celui-là. Il y en a combien, frère? Ils me font devenir fous. Il y en a encore en haut et tout, je crois, parce que regarde, il y a une échelle là. Michel, l'échelle. Hop là. On monte et on active la valve. Et encore une de plus. En fait, j'entends l'eau qui s'emballe des fois de temps en temps, mais pour l'instant, ce n'est pas encore bon. Donc, où est-ce que j'ai pu zapper un truc en vrai de vrai? Ici, j'ai fait tout ce coin là. Il y en a un qui traîne quelque part. Je vais chercher un peu de mon côté, les BG. Et on se retrouve directement après. Ça vous laisse le temps de laisser un like, c'est pas encore fait, et de vous abonner. Si toutefois ce n'est pas fait également. Et on se retrouve dès que j'ai trouvé le truc manquant ou les trucs manquants. Oh, se passe un truc, allez, allez. Ça met la pression. Attends, si je fais ça. Ouais. What? Ok. What the fuck? Ok, ça a cassé un mur. Ah, mais c'est peut-être là-bas, alors derrière, qu'il manquait encore un truc ou pas? Je sais pas. Ouah, ça envoyait un de ces jets d'eau, mon gars. C'était trop stylé. Non, on n'a pas de... Attends, on a un... Comment ça s'appelle ça? Une clé à molette. À quoi ça va me servir ça? Est-ce qu'il n'y a pas ici de levier ou de manivelle ou je sais pas quoi? Ah, est-ce que ce serait pas... Attendez, attendez. Je vais tester un truc. Si c'est ça, franchement, je suis un génie ou pas. Est-ce que c'est pas pour les fuites d'eau? Mais si, c'est ça, ok. Je me disais bien, en fait, j'ai tout de suite tilté. Quand j'ai vu qu'il y avait des trucs d'eau qui sortaient, je me suis dit, mais attends, c'est forcément pour ça. Et apparemment, ouais, c'est pour ça. Lui, bah, on va rien faire. C'est un tuyau. Il doit y avoir d'autres fuites quelque part. Et quand on aura réglé tout ça, il y aura peut-être une pression de zinzin. Et c'est cette pression qui va nous tuer. Ça va être un truc comme ça, je pense. Je vais tester un truc. Si je fais ça, du coup, comme tout à l'heure. Non, le tuyau est pas encore en train de limite exploser. Regarde, si je le réouvre, on n'a pas assez de pression. Ouais, dommage. Ce sera pour plus tard, je pense. Mais ça m'étonnerait pas que c'est grâce au tuyau qu'on avait changé, qu'on a su péter le mur. Et là-bas, l'eau, elle se dirige vers là-bas. Donc il y aura plus de pression. Et lui, je sais pas comment l'eau de celui-là pourrait venir jusque là-bas. Oh, c'est bon. J'ai tenté quand même dans le doute. C'est bon, allez. Je suis sûr que c'est ça. Attention. Boum! Oh, ouais, let's go! Ah, j'avais trop peur par contre, il me dit non, frérot, y a pas assez de pression. Ouais, c'est comme ça qu'on meurt. Alors là, j'ai dû me faire enlever la tête, je pense, avec l'eau. Ça m'a atomisé la tronche. Dinguerie. Et je reviens dans le vaisseau. Ah, mais le vaisseau, est-ce que c'est pas l'endroit où on fait les niveaux, justement? Je crois que ça doit être un bail comme ça. Mais si, regardez, si c'est tout. Non, mais y a plein de nouveaux niveaux en vrai. C'est une dinguerie. Là, c'est 2. Et là, c'est le niveau 2. Donc, moi, j'ai fait le niveau 1, c'était celui d'avant. Là, on a un nouveau truc. Ok, sympa. Il y a bien plus de niveaux que j'imaginais. Et on se retrouve dans une sorte de. Boiserie. On fait des bois, hein, tout simplement. Je sens qu'il y a des bois de partout. On peut même sauter dans les copeaux de bois. C'est comme à la piscine, mon pote. Sauf que tu vas sortir de là tout seul. Alors, qu'est-ce que je dois faire, vous pensez? Ça doit être un bail de je me fais couper par les énormes scies là, qu'il y a là-haut, là. Ça travaille comme ça. Mais on va déjà un petit peu analyser le décor. On a un bouton. Ça fait fonctionner les scies. Je peux pas me prendre une bûche dans la tête, tout bêtement, et mourir à cause d'une bûche. Attention à la bûche. Et boum! Non, ça me tombe dessus, mais ce n'est pas suffisant. Ok, donc il y a un bouton pour actionner le bois. Et peut-être qu'il me faudrait un bois tellement énorme que j'arriverai à le couper et à me faire écraser littéralement par le bois qu'on aurait coupé. En tout cas, c'est pas très grand, donc on va pas avoir trop de difficultés, je pense, à trouver quoi faire ici. Vu qu'il n'y a pas énormément d'éléments et on aura vite fait le tour. Allez, je peux même carrément aller sur les tapis. Incroyable. Hop, j'ai limite l'impression qu'on va faire une attraction là. Attends, je vais voir. Attends, si je vais là-haut, hop, il n'y a pas un petit élément pour moi ou quoi caché? Là, tu vois, on est à l'endroit où les bûches se font couper. Ah, attends, est-ce que je pourrais pas sauter tout simplement dans les scies ici? Je vais essayer, attendez. Non, ça fonctionne pas. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'actionner en gros le bouton pendant que moi je suis là-haut? Comment je pourrais faire ça en vrai? Attendez, je vais remonter en haut et je vais voir s'il n'y a pas un autre bouton ou quoi que j'aurais zappé. On va voir, on va voir. Est-ce que vous pensez que j'aurais assez de force pour balancer un objet sur le bouton là-bas? Ça me semble compliqué en vrai. Hein. Oh, mais on peut déplacer le... On peut déplacer le bouton! Ah, mais attends, j'ai peur d'avoir tué mon niveau là. Je suis en train de me demander en fait, est-ce que la bûche qui est tombée, je devais pas... Attends, parce que regardez. En fait, je viens d'avoir une idée de zinzin. Est-ce que voilà, je vais le ramener tout bêtement si je peux. Ah, et ben c'est un peu compliqué là. Ah bah non, c'est là à côté, regardez. À mon avis, je dois le mettre là, tu vois. Hop. Et en l'approchant comme ça, je mets une bûche dessus depuis là-haut. Sauf que le problème, c'est que j'ai fait tomber ma bûche. Je vais essayer avec... Ah mais non, c'est bon, il y a une bûche qui est réapparue. Dis-moi que c'est bon, là. Est-ce que... Attends. Dis-moi que c'est bon, s'il te plaît, mon ref. Allez.
Non, oh, oh, il a mon bouton. Vite, je vais utiliser cette bûche là. On va y arriver avec elle. Non. Mais non frère, je suis en train de tout péter là. J'ai trop le seum. Bon bah je vais devoir attendre qu'il y en ait une qui apparaisse. Bon, j'ai relancé le niveau, je pense que ce sera mieux. Sachant que le bouton se trouve juste là, il va falloir que j'arrive à pousser la bûche. Ou alors j'aurais peut-être dû mettre le bouton. En fait c'est moi qui fais une erreur. Non, oh, oh, c'est en train de tomber wesh. Ce qui fait du coup que si maintenant j'essaye de pousser. Allez, dis-moi que c'est bon. Oui. Let's go, c'est ça. Je me suis coupé littéralement en deux comme un vulgaire sauciflard. Et là, on va pouvoir enchaîner sur un prochain niveau, un prochain et dernier niveau. Parce que je sais pas combien il y en a, mais si vous voulez, comme je vous ai dit, que je fasse d'autres épisodes, vous me le dites, les BG, et on va directement alors se mettre au niveau 3, qui doit être quelque part. Ah, qui se trouve juste ici, c'est cette petite planète. Waouh, dinguerie, on arrive sur une toute nouvelle planète. À tout moment, il y a des monstres et des aliens qui nous attaquent, ce qui serait incroyablement stylé. Mais c'est pas mal, hein. C'est Star Wars, le bail. Regardez, ils ont même changé l'apparence de la radio. Ça fait radio un peu martien. On a une carcasse de vaisseau. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Peut-être que c'est ça qui va nous tuer plus tard, hein. Je sais pas, mais c'est fort possible. Par contre, là, tu vois, contrairement à l'endroit d'avant, c'est giga grand, frère. C'est abusé. Waouh, ouais. Du coup, moi, je sais pas où aller, moi. Comment tu veux que je trouve le moyen de me tuer ici? Il y a des petits œufs un peu partout. Ouais, il y a un énorme œuf là-bas. Je suis sûr que c'est un lien avec ce truc là. Attends, je vais me rapprocher. Là, on est en mode un peu inspecteur. On doit chercher qui va nous tuer. Je peux le frapper, mais ça fait rien. Je lui mets juste des grosses droites. Il s'en bat les steaks, frère. Ok, c'est pas lui. On a besoin de quelqu'un d'autre là. D'un autre monstre. Ou d'un objet ou quoi qui pourrait le casser. Oh, il y a un marteau dans le vaisseau. Oh, j'ai une idée, c'est sûr. Je suis sûr que... Attends, on teste. Boum, tiens. Ouais, je suis sûr que je vais devoir casser tous les bébés. Oh ouais, voilà, j'allais dire pour énerver le monstre géant justement qu'on a vu là juste avant. Mais ouais, c'est ça. Oh, ça va être trop bien, ouais, ça va être une dinguerie. J'ai hâte de voir le monstre. Alors, toi mon pote, je suis désolé, hein, mais tu vas devoir y passer aussi. Ok, ça va réénerver comme ça la daronne. Où est-ce qu'il y avait un autre choix? Il y en avait un vers là-bas, il me semble, un petit. Je pense que je vais pas toucher le grand. C'est ça qui va, à mon avis, éclore par la suite. Là, il y en a un, il était bien caché. Hop, jamais 203, donc le troisième qui passe aussi. Et est-ce qu'il en reste encore? Oula, 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 oula. Voilà, ça se vénère là plus, non? Encore. Ça fait peur en vrai. Ça fait peur, mais d'un côté, genre, je suis trop curieux. J'ai trop envie de voir le monstre, voir comment ça va se passer. Regarde, c'est ici que ça se passe, non? Ça se réveille un peu, non? On sait pas. Je pensais que je dois le casser, ça aussi. On va essayer dans le doute. Tiens, mange! Je vais te péter, moi aussi! Toi aussi! Tiens, tiens! Non! Ça, c'est le grand méchant. Hop. Donc, ce sera pour plus tard. Il va éclore de lui-même. Il faut juste que je trouve encore un petit bébé à éliminer pour pouvoir l'énerver assez pour qu'il sorte de son truc, là, de son vieux cocon. Oh, bon, allez, ce que j'ai trouvé. En même temps que je cherchais. Hop là, j'ai trouvé une petite statuette. Toujours bon à prendre. Ouais, c'est tellement grand que je suis obligé de regarder dans tous les coins et recoins de la zone pour trouver bah, le bébé restant. Parce que j'imagine que c'est le dernier à récupérer, quoi. Enfin, à casser. C'était sûr que c'était là. Tu es en train de me dire, attends, si on peut monter aussi haut, il va forcément y avoir un œuf. Donc, tiens, allez, dites-moi que c'est le dernier. Please. Allez, réveille-toi la daronne là. Viens me chercher un peu là. Mais non, ça veut dire qu'il y a encore un œuf caché quelque part. Mais j'y crois pas. Mais où est-ce qu'il peut encore y avoir un œuf là? Regardez, regardez, regardez. C'est sorti, attends. Est-ce que là il est déjà en état de me tuer ou pas? Attention. Allez, tue-moi. C'est moi qui ai tué tous tes gosses. Tue-moi. Allez. Ça me dégoûte par contre. C'est dégueulasse. Un vieux ver géant là. Non, c'est pas encore suffisant. Mais par contre, il est enfin sorti. Donc là, il en manque encore un seul, je suis sûr. Et après, c'est fini. Il sort et il nous tue. Je vais quand même essayer un truc. Attends, est-ce qu'il est. Par rapport à moi, il est en bas ou quoi? Ouais. Attends, est-ce que je peux sauter dessus? C'est comme ça qu'il va me manger. Mange-moi. Hein, j'ai tué. Ça veut dire que c'est encore un bébé. Ouais. C'est quoi ça, frère? Ouais, je lâche mon marteau carrément. Qu'est-ce que c'est que cette créature, frère? C'est un ver géant. En fait, c'est pas le petit ver qui m'a tué. C'était également un bébé. Juste un bébé qui était un peu plus âgé, quoi. Mais waouh, ok, ça m'a ramené un big ver, mon pote. Je me suis fait graille. Comme un burger chez McDo. C'est une dinguerie. Franchement, ce DLC est vraiment très cool. Je pense qu'il y a encore pas mal de niveaux à tester. Donc, n'hésitez vraiment pas à me dire si ça vous intéresse ou pas. Si c'est le cas, ben, comme d'hab, vous savez, on vous dit tout ça dans les coms. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu avant de partir. Abonnez-vous, activez la cloche. Ça me fait trop du bien à chaque fois de retourner sur Suicide Guys parce que je trouve que c'est ce genre de jeu qui manque un petit peu. C'est vraiment un jeu original, il y a des casse-têtes, c'est joli, c'est coloré. Franchement, c'est grave cool comme jeu. Moi, à chaque fois, je prends énormément de plaisir à retourner dessus. Donc voilà, franchement, une belle réussite ce DLC qui propose encore, je pense, plein d'autres choses. Donc voilà, voilà. Peut-être qu'on se retrouvera très bientôt pour de nouveau du Suicide Guys. En attendant, les amis, moi je vous dis, prenez soin de vous, portez-vous bien. On se retrouve très vite, vous inquiétez pas. C'était votre truc comme d'hab. Ciao, ciao.